Bonjour et bienvenue dans le second épisode de ma mini-série Nouvelle Année. Je suis Roger Lannoy, connu pour apporter des solutions simples à ce que beaucoup de gens croient compliqué. J'aime dire que c'est simple quand on fait comme Lannoy. Avant de continuer cette vidéo, je veux vous prévenir. Est-ce que vous préférez être pris pour un anormal et avoir une vie d'abondance, une vie riche, ou rester normal et avoir une vie normale, voire même paumée? La technique que je vais vous montrer maintenant peut vous paraître étrange au premier abord, mais ça marche et c'est la clé pour créer une nouvelle année magique. C'est ce que j'appelle le peak state. C'est quoi le peak state? Eh bien, c'est arriver. Comme les sportifs, vous avez vu des sportifs de haut niveau, regarde Nadal par exemple, il utilise énormément cet outil. André Agassi, mais l'a utilisé aussi pendant de nombreuses années après sa rencontre avec son coaching avec Tony Robbins. Les joueurs de foot l'utilisent et ça marche aussi pour le business, pour la vie, je dirais, de tous les jours. C'est tout simplement te mettre dans un état où tu es au top. Peak state, on voit bien son nom, peak, ça vient de sommet, state, l'état. Être dans un schéma où tu es dans un état où tu te sublimes. Pour gagner une médaille d'or, pour gagner une Coupe du Monde, pour gagner n'importe quel championnat, tu as besoin d'être sublimé. C'est-à-dire être au-dessus, largement au-dessus même, de ton état normal. Arriver à utiliser toutes les ressources qui sont en toi. Et c'est un outil tout simple. Peut-être que vous avez fait de la PNL, vous avez peut-être dû l'entendre. Mais ici, avec Tony Robbins, je l'ai appris à l'utiliser de manière, je dirais, beaucoup plus efficace. C'est le fameux ancrage. PNL, on appelle ça un ancrage. Moi, je vais te montrer un ancrage manière Tony Robbins, d'une manière peut-être moins scientifique, moins intellectuelle, moins rationnelle, mais ô combien efficace, ô combien puissante. C'est tout simplement te rappeler. Dans ton inconscient, dans ta tête, tu as des moments de ta vie où tu as été au top. Tu n'en as peut-être pas beaucoup, tu vas me dire, mais il y en a. Des moments où tu as réussi quelque chose de super. Ça peut être une compétition sportive, ça peut être un examen à l'école, ça peut être un permis de conduire, le moment où tu t'es, je ne sais pas, tu t'es sorti toi-même presque pour, lors d'un entretien d'embauche pour avoir ce boulot, tu vois, ou réussir un dossier, réussir une vente, peu importe. Il y a des moments dans ta vie de réussite. On dit, c'est l'un qui dit, mais moi, j'en ai pas. OK, si tu n'en as pas, tu l'imagines. Parce que l'imagination, ça marche aussi. Et ce que je vais faire, c'est ce que je fais d'ailleurs avec les sportifs de haut niveau, mais quand je les vois, je leur dis, OK, c'était quoi pour toi ton plus beau but? C'était quoi pour toi ton meilleur match? C'était quoi le match pour toi référence? Et simplement, je le remets dans le même état physique, mental, de du jour où il a fait son plus beau but, où il a fait son plus beau résultat, pour l'ancrer. C'est là que vient le mot ancrage. C'est-à-dire que je vais ancrer ce moment avec un geste. On peut mettre aussi une musique et on peut aussi utiliser un mot. Moi, j'aime bien les trois. Un geste, par exemple, tu peux prendre ton poing droit, c'est facile à faire. Yes. Et le mot, tu as compris, c'est yes. Et tu peux ajouter une musique. Une musique que j'utilise souvent, c'est la musique « Life will never be the same again ». Et tu vas associer mais ton succès, tu vas aller chercher d'abord tes références dans ton mental, de ton expérience, de ton match, je vais dire référence, et ensuite tu vas associer, tu vas ancrer le geste « Yes » et la musique. Alors on va le faire ensemble maintenant, juste pour tester. Ferme les yeux. Attends, si tu veux un autre geste avant, si tu veux un autre geste que ça, ben, tu prends un autre, tu peux faire yes, tu peux prendre n'importe quel. Si tu n'aimes pas yes, tu peux dire oui, tu fais comme tu veux. OK? Mais ici, comme je le fais pour des milliers de personnes, donc il faut que je trouve que j'utilise un vecteur commun. Alors, fermez les yeux, mettez-vous debout. OK? Ça ne se fait pas assis dans un fauteuil à moitié endormi. Non, mettez-vous debout. OK? Et les yeux fermés, j'aimerais que vous pensiez à une expérience, à un moment de votre vie où vous avez réussi quelque chose, je dirais,
à la perfection. Vous aviez le sentiment que cette expérience, il y avait le tapis rouge qui se déballait sous vos pieds. Et tout tournait au maximum. Et vous étiez, waouh, vous étiez sublimé, vous étiez au top. Rappelle-toi ce moment. C'était où? C'était quand? Comment tu étais habillé? Est-ce que ça se passait à l'intérieur d'une pièce ou plutôt à l'extérieur? Peut-être tu peux te rappeler la température dans la pièce. C'était peut-être normal sans plus. Si tu es à l'extérieur, peut-être il faisait chaud, il faisait humide, il faisait froid, peu importe. C'était quand? C'était comment? Tu étais comment? Qu'est-ce que tu ressentais au plus profond de toi? Qu'est-ce que tu disais à toi-même? Tu disais, ouais, juste avant l'événement, ça va marcher, je vais le faire, je vais réussir. Quels étaient les mots qui te motivaient à te sublimer? Rappelle-toi ce moment. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui t'a aussi encouragé. C'était quoi cette phrase qu'il t'a dit? Ouais, tu peux le faire, je crois en toi. Je suis certain que tu vas y arriver. C'était quoi? Rappelle-toi. C'est important de bien rappeler, les amis. C'est important de ressentir l'émotion. Remets-toi totalement dans ce moment. Et dès que je vais dire 3, eh bien, tu vas prendre ton poing droit, tu vas le frapper dans la main gauche et avec yes. Et la musique va aussi se mettre en route. Attention, on y va. 1, 2, 3. Yes, 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 yes. Excellent. Gardez les yeux fermés. On va renforcer cet ancrage. Gardez les yeux fermés. Projetez-vous maintenant dans 1 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, peu importe. Et il y a un objectif important que vous voulez réaliser. C'est cette année magique que vous allez mettre en place. Et projette-toi dans 1 an, c'est fait. Regarde, tu l'as fait. Qu'est-ce que tu vas ressentir au plus profond de toi? De la fierté de l'avoir fait, de la certitude, de la joie, de la gratitude. Dans cette émotion de remercier d'avoir fait cette année extraordinaire. Qu'est-ce que ta famille, ton conjoint, tes enfants vont te dire? Combien ils sont fiers de toi? Waouh! Et toi? Allez, sors les épaules là. Respire comme quelqu'un qui a une certitude absolue à 1000%. Ok, vois cette image. Ressens-la. Et maintenant, quand je vais dire 3, on va réancrer une deuxième fois avec ton geste, avec yes et avec la musique. Alors, fais monter la sauce, ressens cette victoire au plus profond de toi. Et dès que je dis 3, on y va. 1, 2 et 3. Yes, 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 yes. Excellent. Vous pouvez ouvrir les yeux. Je devine que vous allez vous sentir en super forme, ok? Revoyez cette vidéo régulièrement, je dirais même dans la journée encore, parce que l'ancrage c'est comme l'autoroute, il faut la construire et il faut la renforcer. Et même si on vous prend pour un anormal, je peux vous dire que ça marche. Regarde Agassi quand il servait, comment il faisait. Eh bien, il avait une manière de tenir son t-shirt pour pouvoir servir. C'était un ancrage qu'il avait fait. Avant de recevoir un service, c'était un des meilleurs retourneurs du circuit, eh bien, il tapait même sur les terrains secs, il tapait sa raquette comme sur un terrain en terre battue sur l'arrière de sa chaussure. Simplement, c'était des ancrages qu'il avait créés. Regarde Nadal avec sa serviette, c'est le même. Tous les sportifs, regarde Messi, ils ont des ancrages. Tous les champions ont des ancrages, ils l'utilisent. Et c'est pour ça que c'est des champions. Alors, je t'ai donné ici un outil extraordinaire, un outil de champion. Maintenant, encore une fois, c'est à toi de le mettre en application. Pensez, les amis, à vous abonner à ma chaîne en cliquant tout simplement ici en haut à droite. Et j'aurai bien sûr le plaisir de vous envoyer la 3e vidéo de cette série Nouvelle Année. Et aussi, vous pouvez télécharger en dessous le résumé descriptif de cette vidéo. Merci et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Excellente journée.